Salut, c'est Mano Supersor pour une nouvelle vidéo sur The Another King. Alors, épisode 3. Donc, on va vite lancer le jeu. Alors, File, Open Recent, The Another King. Ah! Alors, je vais baisser un peu le son du jeu, comme d'habitude. Je ne vais pas trop baisser. Mais... je vais baisser ça par contre. Alors, en fait, les gens, je sais pas si vous avez vous souvenez de la dernière vidéo, mais j'ai réussi à brancher ma manette Xbox. Et oui, sur mon Mac. Et oui, c'est formidable, je sais. Donc là, je joue pas avec la manette sur The Another King. Alors, j'ai demandé sur jeuxvideo.com, pour vous les gens, quelle équipe vous voudrez que j'ai, pour ceux qui sont mes amis de jeuxvideo.com. Bon, j'ai pas eu de réponse pour le moment. Alors, je vais brancher ça. Alors, mon équipe. J'ai fait expert PME et dinosaures, ils sont tous niveau 7, vous pouvez voir mon Carnotaurus niveau 7, Irritator niveau 7, Iguanodon niveau 7. Enfin, mon Carnotaurus était déjà niveau 7, Irritator était niveau 5 et Iguanodon niveau 1. Je les ai fait un petit peu XP. Voilà. Alors. Pour le moment, donc j'ai. Les lags, ça lag pas du tout quand j'ai pas d'enregistrement. Donc là, les gens, je sais pas, enfin, il est très très tôt. Ou très très tard, ok, il est dans la nuit quoi, très très tôt ou très tard, ça dépend comme vous voulez entendre. Je vais vous dire quelle heure il est, 3h du matin. Alors, donc je suis obligé de faire enregistrement audio et pas vidéo parce que bon, j'ai une tête assez à cette heure là, voilà quoi. Donc, alors qu'est-ce que nous devons faire? Alors aujourd'hui, nous allons aller chercher, nous allons avancer ce qu'elle aura. Et nous allons trouver... ouais, nous allons aller chercher... on va chercher des fossiles de dinosaures. Alors, je crois que c'est ça. Et mince. C'était l'autre. Alors. Ok, il n'y a pas de dinosaures par là. Mince. Est-ce qu'il y a des dinosaures par là? Fossiles. Donc, voilà. Ouais, 1, 2, hop. Donc, voilà. On va creuser les pieds. Ancien Under. Oui, c'est quoi? 1, 2, 3. Hop, speed. Et mince. Ah, un fossile européen. Les gens, on en cherche un deuxième et on retourne au site D. On va aller par là. Combat! Allez. C'est ça. Bon, pour vous faire plaisir. On va faire lancer, justement. Je voudrais un type fait pour pouvoir apprendre projection. Et projection dino, je crois que c'est ça le nom. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les attaques niveau au-dessus. Allez, broyage caudal. Ah oui, ils ont appris. Voilà. Mon Carnotaurus a appris Vengeur de la Corne dernière fois. Mon Irritator a appris, je crois, que Boomerang. Et mon Iguanodon, Vengeur de la Corne. Putain, les lags. Ça va continuer aussi pour cet épisode-là. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec l'heure. Non, je baille pas parce que c'est. Au contraire, j'adore Dinosaur King. Juste parce qu'il est très tard. Et... je suis obligé de tourner là parce que donc demain, dimanche, je ne suis pas là de toute la journée. Voilà, ça. Donc, je suis obligé de tourner maintenant. En européen fossile, les gens. On en trouve un autre. Et dès qu'on a un petit feuille, je le mettrai dans le PC, on va dire. Entre guillemets. Et je le ferai XP un petit peu hors caméra pour pouvoir apprendre les attaques feuilles. Parce que pour pas cacher... le jeu. Alors. Hop, hop. Oh. Irritator. Bon. C'est quoi? Allez, throw. Allez, Taste Mage. Broyage caudal. Si vous pouvez monter au niveau 8, ce serait génial. Ah, je pense pas qu'il est assez XP pour monter au niveau 8. Je sais qu'on peut le vérifier. Alors je vais vous montrer un peu les statistiques, on va dire. On m'a pas demandé, mais bon.
vais vous faire quand même parce que je sais que vous voulez voir les statistiques. Alors, Dino Shot. Voilà, View Strange. Carnotaurus. Alors, il a 147 pierres, 180 ciseaux, 147 feuilles. Au total de 473. Alors, Irritator, il a 152 pierres, 124 ciseaux, 124 feuilles, total de 400. Il est pas mal, Ligonou. Il est 180 feuilles. En fait, il est comme nos Carnotaurus, mon Ligonou. Donc, rare 3 étoiles, 1 étoile, 3 étoiles. Ils disent ça, mais bon, dans le jeu, on peut pas trouver d'autres Carnotaurus. Hein. C'est le seul. Parce que je crois que c'est en Antarctique. Je crois. Ou en Amérique du Sud. Non, Amérique du Sud. Amérique du Sud. Et on n'a pas accès à l'Amérique du Sud dans ce jeu. On a. Je sais pas vous le dire, vous verrez, mais là, pour le moment, on est en Europe déjà. Donc, vous savez quoi, les gens, on va faire téléporter. Non ! Enfin, oui ! Voilà. C'était monsieur jeu de mots. Alors. Bonjour. Restauration jaune. Et. C'est un véritable plaisir. Sans les lags de faire ça. De déterrer les dinosaures comme ça. Parce qu'il n'y a pas de l'ail. C'est lié. L'ail, ça bug de l'ail. Nous savons. De toute façon, pour le moment, ça n'influence pas la déterration des fossiles, on va dire. N'influence pas sur le niveau. C'est après que ça influencera sur le niveau. Normalement, ils seront tous niveau 1, je crois. Hein. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Mais il me semble que c'est ça. Alors, nous savons déjà que c'est un type vent. Un type vent, quoi. Donc, c'est un, généralement, les types vent... Non, c'est pas généralement. Ce sont des petits prédateurs, donc style... J'ai déjà déterré un Eustrepteros podilus. Alors, un linéaire sternier, je crois qu'il est type pierre. Non, feuille! Ah, tiens! C'est quoi? Donc, on va déterrer l'autre. J'ai déjà. Vous savez le fossile de l'ancien épisode? Et bah, c'est un Eustrepteros podilus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur Google. Ah! Type feuille, tiens. À tous les coups, c'est soit un ouranosaure, soit un iguanodon. Mais à mon avis, c'est plus un iguanodon. Bon, allez, on s'en fout, on va déterrer là, 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 là. La 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 la, voilà. The peak broken, US closed, the peak case. Nous sommes déjà à 7 minutes 49, 51. Oula, ça va. Nous sommes, bon bref, on est déjà à 8 minutes. Ah voilà, iguanodon, ciseaux, ça détruit les toiles. Voilà. Je pense pas qu'on va... On va peut-être battre Laura, tiens. J'ai envie de la battre, moi. On va l'écraser, cette Laura. Sauf que le problème, c'est qu'il nous fout des attaques feuilles, donc... Non. Vous savez quoi? Les attaques feuilles, ça sera... hors caméra. Et oui. Je ferai ça hors caméra, les gens. Donc, là, nous allons aller à la base de... Ah bah non, là, on doit aller trouver Monsieur le maire, je crois. Son fils nous a demandé d'aller voir Monsieur le maire. Hémiosaurus. Donc, Carnotaurus. Niveau 1. Donc, on va aller en accéléré voir Monsieur Maire, là. Voilà. Gorgosaurus, niveau. Je le fais. Ah, voilà, la vengeance de la corne. Vous allez voir. Allez, Carnotaurus. Ouf. Ça, c'est du vol plané. Allez, feu. En attendant, on va se contenter de lancer. Et moi, on a toute première partie. J'avais pas vrai dinosaure de type feuille, mais tout... mais vraiment, ma toute première partie, c'est-à-dire en 2007-2008, quand il était sorti, j'avais acheté le jeu. Et j'avais fait avec lancer jusqu'à la fin. J'ai fini de jouer avec lancer, cette attaque-là. Parce que j'avais pas pris de type feuille. Enfin, non, je crois que... Non, mon Carnotaurus, non, il avait eu projection vent, je crois, oui. Ah non, je veux pas... Oui, c'est ça, mais je veux pas vous le sachiez. Mais bon, il avait appris une attaque au bout d'un moment. Mais... Parce qu'il faut savoir que les dinosaures, avant qu'ils apprennent les attaques type, toutes les attaques normales, par exemple, mon Carnotaurus n'apprendra que des attaques ciseaux, que des attaques pierres, que des attaques ciseaux. C'est pour ça.
Oui, je sais, c'est dur à comprendre, c'est spécial, mais c'est un très très bon jeu. Alors, on va aller parler à monsieur le maire. Ouch, ouch, aïe, ma jambe, aïe. Vous êtes le maire? Vous êtes fait mal? Oui, je suis allé voir le gang Alpha pour leur demander de reprendre les fossiles. Je leur ai demandé gentiment, mais ils ont tenté de me capturer. Je leur ai échappé et je me suis fait mal. Que ce gang Alpha, je sais pas, ils les engueulent. Ils ont un problème. Je voulais leur poser une question. Mais en retour, ils ont tenté de me capturer. Of course, of course. Je sais pas. Ah, il faut aller voir. Ah ouais, on doit aller voir son fils. Donc, le fils du maire, et lui donner cette photo pour qu'il sache que c'est bien le maire qui nous envoie et pas une arnaque. Pour pouvoir passer derrière. De toute façon, d'abord, affronter. Alors, la blancheur. Alors. Blabla. Ah oui. On lui montre la famille photo. La photo de famille. C'est terrible, c'est terrible. Mon père. Normalement, il part plus vite. Hein. Je crois que c'est un peu ralenti. Je suis allé voir dans son speed limit. Putain, ça me met normal. Hein. C'est normal, pourtant. Mais bon. Alors. Nous, on va aller soigner nos dinosaures. Je sais pas. Non, ils ont pas perdu PV, mais. Ah bah voilà, ils ont pas perdu de. Allez. Ouf. Non, non. Non, je fais pas les combats dans la zone 1, les gens. Parce que les dinosaures sont vraiment trop bas et. Je fais que dans la zone 2 et dans la. Vous verrez. J'accélérerai quand même parce que. Un dinosaure niveau 1, je préfère t'affronter en niveau 5. Il m'a fallu 40 minutes, les gens, pour augmenter les deux là. Carnotaurus, Irritator. Non, Irritator est de 2 niveaux et Iguanodon de 7 niveaux. Pour les faire monter au niveau 7, quand même. Et de toute façon, c'est pour vous et j'adore ce jeu. Voilà. Ah, un Irritator, on va t'affronter avec mon Carnotaurus. Soit. Allez. Non, 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 oui, je sais pas chanter, mais je m'en fous, j'adore cette musique, j'adore ce jeu, j'adore tout dans Dinosaur King. Même si je connais le jeu par cœur. La mimique, le dialogue, parce que, à part par exemple, le dialogue du maire, là, j'essaie de traduire, mais la plupart des dialogues, je sais ce que c'est parce que j'ai tellement fait de jeu. Vengeance de la corne. Allez! Défonce-le! Oui! Et on va terminer, j'espère que ça va le tuer par un show. L'attaque nulle au monde, lancée, ce que je déteste le plus. Boum. Feuille. Génial. Voilà, donc nous sommes revenus voir Monsieur le maire. Oh, merci beaucoup. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. De rien. Peut vous poser une question légendaire et... Ah ouais, l'animal légendaire. Et c'est le... En fait, c'est l'animal légendaire, donc un dinosaure de la forêt qui est venu l'aider. Voilà. Légendaire, forest. La forêt, quoi. Il y a une créature mystérieuse qui habite dans la forêt. Max, nous devons aller dans la forêt, trouver ce dinosaure. Oui, moi aussi, ou un truc comme ça. Elle est dans la plaine sud d'Oretou. Je sais pas. Nord. Il y a le gang Alpha qui est dans la plaine nord qui est dangereux. Alors. Cette fille-là, on va aller lui parler, mais il y a une histoire avec elle plus tard. C'est qu'il y a une histoire avec elle. Vous verrez le super, etc. Vous verrez peut-être à la fin du jeu si je fais les épisodes bonus.
Speed limit, go! Oh! Ah ouais, donc en fait, ça c'est la zone 3. D'accord. On passe un pont, les dinosaures, ils se disent, tiens, dès qu'on passe ce pont, on va augmenter x2. Allez, irritateur, je vais péter ta gueule. En échange, tu me donnes de l'XP pour que je monte au niveau 8. Enfin, mon Carnotaur. Allez, Taste Smash! Oh, on n'aura pas le temps de faire Laura. Mais, espérons que Laura, on fera l'épisode de Laura mardi. Oui. Oui, Carnotaurus monte au niveau 8. Donc on va changer un peu, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je jouais surtout avec mon Carnotaurus. Donc je vais mettre Irritator. Ouais, je vais reprendre un peu mon Irritator, parce que on m'a dit que je jouais. Parce que ouais, je joue trop, c'est vrai qu'on m'a dit que je joue trop, que je joue qu'avec le Carnotaur. C'est vrai. Ah non, j'ai pas enlevé speed. Donc là, ouais, je crois qu'il y a un robot alpha par là. Ouranosaur. Gagnes-tu de l'XP? Oui. Non, 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 non. Allez, swole. Irritator est un dinosaure mangeur de poissons. On l'a confondu. Je crois que c'est. Il l'avait confondu avec le spinosaure, quelque chose comme ça. Ou alors il y a un. Je sais que. Déjà pour ceux. C'est pas... Non, non, c'est pas un gros carnivore mangeur de viande. Justement, il est de type O. Comme les longs coups. On va dire ça. Comme. Quoi? Oula, j'ai pas dû suivre alors. Soit il m'a. Soit c'est foutu de ma gueule, soit j'ai pas dû suivre. Bref. Donc. Les gros carnivores sont de type feu. Les mangeurs de poissons de type eau. Les petits carnivores de type vent. Les herbivores. Voilà. Est-ce que je me disais. Aidez-moi au secours, aidez-moi. Le docteur Z demande voix facile maintenant. Lâchez-le, bande de. Donc j'ai pas passé en accéléré parce que c'est un robot. Hein. On va dire une sorte de boss. Un iguanodon. Irritateur. Bon, il y a quelques lags, mais bon, ça va, c'est plutôt potable pour le moment. Mais bon, maintenant que j'ai dit ça, ça va bugger à mort. Niveau 5 quand même, hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Donc, j'ai pire. Il va faire ciseaux ou feuilles. Au pire, je fais une égalité. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Allez, tac, racle les kamikazes. Oh. Donc là, je vais faire. Ah, vous avez pas vu encore Cuboumang. Vous allez voir. Il y a Cuboumang encore. Regardez, ça déchire cette attaque. Vous avez déjà vu, vous, un dinosaure faire ça? Bon, est-ce que vous avez déjà vu un dinosaure pour de vrai à part les oiseaux ou les poules, mais un ancien dinosaure, on va dire. Allez, slow. On va finir avec la plus nulle attaque du jeu. What? Bon, est-ce qu'il crève d'égalité? Et voilà. Plus d'iguanodon. Ennosaurus, oui, si tu veux. Allez, kamikaze, tac. Ah, il est niveau 6, hein, quand même, les gens. Mais bon, on est au niveau 7, on n'a rien à craindre sur ça, mais bon, quand même. C'est pas négligeable, on va dire. Est-ce que je peux lui faire que bon mangue? Putain! Et on peut pas se soigner pendant les combats. Ça, c'est chiant, par contre. C'est vrai que le seul truc qui est chiant dedans, c'est qu'on peut pas se soigner pendant les combats. Je sais plus le système. Voilà, j'ai bien fait parce que j'ai hésité, j'ai failli faire que moment. Je vais refaire avec une case. Le seul défaut pour moi, le seul vrai défaut de Dinosaur King, c'est qu'on ne peut pas se soigner pour un combat. Ouais, ça serait trop facile si on est bon quand même. Je sais qu'il va faire pire. Ah non, même pas. Oh bah j'ai failli et j'ai bien fait alors. Que moment. Allez, bim. Elle déchire cette attaque. D'ailleurs, ce sera peut-être. Peut-être dans le titre. 200 expériences quand même, n'empêche. Hein. On irait à tort, plus qu'un niveau 1 et normalement c'est bon. Est-ce que tu me donnes quoi, toi? Manuel. Vous savez quoi? On va utiliser un manuel. Comme ça va tous nous faire XP. Le workbook, je le garde. Donc le cahier. Je pensais que c'était un livre du savoir. Même un pro, on va dire. Celui qui s'y connaît le plus. On va dire à peu près sur jeuxvideo.com. D'ailleurs, dédicace à toi, Miro.
pensais que c'était un livre du savoir, mais je suis allé vérifier. En fait, workbook, c'est bien un cahier. Alors, manuel. Oh, voilà. Que Boomerang, ça sera peut-être dans le... Ça sera même... Je pense que je vais mettre dans le titre de l'épisode Que Boomerang. Que Boomerang et manuel. J'utilise une feuille, par contre. J'en utilise une autre. Une autre. Voilà. J'en ai 10, ça. Pour ça... Merci pour ton cahier, monsieur. Maintenant, tu restes ici sans bouger jusqu'à la fin du jeu. Oh, s'il veut rester. T'aurais pas pu me donner tes fossiles, toi? Alors, on va passer en accéléré. Oui, c'est en accéléré, mais comme ça bug, on dirait pas, je sais. Non. Rétator est monté au level 8. Si on pouvait utiliser un cahier et un... C'est dommage qu'on peut pas utiliser un cahier et un... Je crois que c'est un carnet. Non, un cahier... Non. Manuel. Dommage qu'on peut pas utiliser, voilà, un cahier et un manuel en même temps. C'est vraiment dommage parce que sinon... Pff, moi, je pensais qu'en fait, c'est divisé par 3. C'est pour ça que j'utilisais jamais ça, mais bon. Une personne m'a dit sur jeuxvideo.com que non. Ça ne divise pas par 3. Ça donne la même quantité d'expérience gagnée aux autres dinosaures. Donc, le truc de Laura, ça pourrait vraiment être utile. Ah, j'hésite. J'hésite, les gens. C'est... Oh là là. Oh, je sais pas. Si on se bat pas... Non, on va pas se battre contre Laura dans cet épisode. On va s'arrêter avant. Mais les gens, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que j'utilise un cahier pour faire multiplier par 2 l'expérience? Disons qu'elle me donne 1000. Bah, il gagnera 2000. Ou est-ce que j'utilise un manuel pour qu'ils aient tous 1000? Ah... Je sais pas du tout, les gens. Franchement, là, j'ai un dilemme. Je crois que c'est ça. C'est un dilemme. Un dilemme, c'est un choix où les deux sont bien et les deux sont mauvais. C'est vraiment dommage. Putain, utiliser avec d'autres livres. Putain. Je me mets... Vous savez quoi? Je vais utiliser... Alors. So. Bon. C'est la... C'est le site du Nord. Il y a plein de fossiles par ici. Le Gang Alpha. Rex. Gang Alpha est le premier qui arrive au Gang Alpha a gagné. Max. Ouais, donc... Donc lui, il se casse au Gang Alpha. Ah, je sais pas. Il veut s'utiliser un cahier quand même. Hein, parce que ça fera augmenter un, mais beaucoup, beaucoup... À la rigueur, ce que je peux faire. Ah, il est niveau 6, hein. Oh, tu vas te calmer, mec. Toi, tu vas te calmer, oui. J'aurais peut-être pas dû utiliser un cahier. Non, manuel. J'ai oublié de mettre en accéléré. Bon, les gars, nous devons gagner 60. Parce que je pense que c'est la carte. C'est la carte. Oh, je déconne. Donc, là, les gars, nous devons slow. Normalement, ils devraient tous être au niveau 8. Un robot alpha. Donc les gens, vous savez quoi? J'ai choisi le cahier. Je vais dire que je vais utiliser manuel pour les robots alpha.
Voilà, c'est fait. On n'en parle plus. Allez. Alors, donc il nous empêche de passer. Vous avez vu, les droïdes changent. Les robots changent au fur et à mesure de leur niveau. Un Allosaurus. J'adore le cri. Ah, il fait un bruit. Ça vous chauffe, le cri, il est toujours là, mais bon. Niveau 6. Throw. Yes. Normalement, il a projection attaque-dalle raclée. Je crois. Normalement, il a ça. Alors, soit on fait d'égalité, soit on gagne. Dans tous les deux. Ou on perd. Eh, c'était l'option. Pas dégueu. Donc, il va nous faire attaque-dalle. Tu n'as pas intérêt à me buter mon Iguanodon, toi? Hein? Attends, c'est pas mal. Ça m'enlève pas mal de PV, quand même. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Pourquoi il était pas Tifa, il est Guanodon? Pourquoi il a des attaques? Il a que Swow là. Oh. Maintenant t'arrêtes de faire pierre, enculé. Désolé des gros beaux. Oh, vraiment désolé. Voilà, allez. Normalement un de moins. Allez, bim. Ouf. Quoi? J'ai un pressentiment. J'avais un mauvais pressentiment. Putain, il me fait chier avec lui. Une attaque, je suis mort, les gens. Sauf que je suis obligé de faire. Oh là, je peux plus faire ciseaux. Putain! Et merde. Est-ce qu'il gagnera quand même? Je sais pas. Donc, vous voyez, mon premier dinosaure mort. Putain, c'est plus difficile que contre Laura. Oh! C'est quoi l'arnaque? Allez, broyage caudal là! Voilà! Mon Carnotaurus, c'est le plus fort. C'est mon starter. Bim, bim. Il va évoluer en super. Il va évoluer en Carna. En Carnageaurus. Puis après, il va évoluer en Ultimate au Carnage. Je déconne. Dacontrurus niveau 7. Oh, il a casse-toi la mouche là. Putain. Et épisode de Ultimate gros mot. Non. This bitch. Oh. Allez, Swan dans ta face. Putain. Ça se trouve ça lui en fait plus que Swan. Ouais quand même. Allez, putain. Non. Swing. C'est projection. Bah, voyez, c'est sa projection le, que je veux débloquer au niveau avec l'autre. Putain. Putain, le bat. Le... Voilà. Ah. T'as intérêt de le tuer, hein. Revanche de la corne. Enfin, revanche de la corne. Oui, on a gagné les gens. 240 niveau 9. 240 niveau 9. Oh non, Iguanodon, il a rien eu. Iguanodon, il est niveau 7 encore. Et merde. Et merde, et merde. Bon, écoutez les gens. On va s'arrêter là, on va sauvegarder. Donc on a joué 2h04 à ce jeu, donc je vous dis bah à bientôt pour Pokémon version cristal demain. Enfin, alors je dis demain parce que je peux. Et bon bah je vous dis à bientôt.